entre de bonnes mains, le Curtiss P-40 était un chasseur redoutable. Un avion d'attaque au sol hors pair. Utilisé sur les cartes d'opération de la Chine, de la Nouvelle-Guinée, des îles Aléoutiennes et en Afrique du Nord. Among other things, Tom has been sponsored by Breitling Watches, and he's currently sponsored by the leather jacket. He's sponsored by Breitling Watches. Le P-40 Warhawk a été le chasseur qui a été l'épine dorsale de la US Army Air Corps jusqu'en 1943. Il a été déployé sur tous les fronts pendant chaque jour de la Seconde Guerre mondiale. Le premier vol d'essai a été effectué le 14 octobre 1938. Un total de 13 738 P-40 ont été construits jusqu'en novembre 1944. www.warbirdventures.com or visit P-40 Warhawk American Dream on Facebook. Cet avion unique est un véritable héros de la guerre du théâtre d'opération du Pacifique et compte deux victoires confirmées contre des avions japonais, un Chatter Zero et un bombardier Betty. Le lieutenant Joel Torvinson a piloté l'avion pour la US Air Corps en Nouvelle-Guinée en 1943. Beautiful private grass strip between Columbia and Greenville, Augusta. Aux commandes du Warhawk, Tom Richard. Lorsqu'il ne se produit pas dans les meetings aériens, les propriétaires et exploitants de la seule école de pilotage de T6 Texan et de P-40 Warhawk à temps plein au monde. Warbird Adventure en Caroline du Sud, où lui et son équipe se feront un plaisir de vous enseigner tous les aspects du vol sur Warbird. Smooth. I have heard that it can get quite bumpy in the back seat. As a matter of fact, some very fine pilots have known to get queasy while riding with Tom. Regardez la précision. Alors, on fait le tonneau 8 facettes. Warbird Adventure propose également une formation primaire et acrobatique sur de plus petits appareils, si vous êtes intéressé. If you'd like to fly any of Tom's beautiful aircraft, go talk to him or his trusty team after the show to schedule to fly the American Dream Sky Ranch in South Carolina. Or again, check out their website at www.warbirdadventures.com.
Tom a plus de 14 000 heures de vol sur des appareils d'aviation générale, dont plus de la moitié sur des Warbird et 2500 heures sur hélicoptère. Tom est bien connu pour ses exploits dans les courses aériennes à travers le monde, étant un champion de la Coupe du monde dans la classe Formula 1 internationale. Il a également participé à des courses avec un jet et plus célèbre encore avec le seul P-51 Mustang au monde propulsé. Latrobe en Pennsylvanie, qui construit les meilleurs moteurs Allison V12 disponibles sur le marché. Michelle, where is that music coming from? It sounds hauntingly familiar. Good afternoon, Gatineau. On behalf of our commanding officer, Lieutenant Colonel Dennis Vandette,